Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano. On se retrouve pour ce 17ème épisode sur Assassin 4 Black Flag. Alors, excusez-moi. Alors, juste avant le précédent épisode, en fait, j'ai décidé de me rendre pour éviter que ça fasse trop long, trop de balades et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas y aller directement offline. J'ai rien fait en soi, j'ai juste un petit peu avancé dans l'océan. Et là, je me suis retrouvé directement confronté à cette frégate, quoi, ce Brink, je crois que c'est. Non, c'est une frégate, level 21. Juste avant d'attaquer le fort compromis. Allez, on y va. Je sais pas si je suis des gens là. Je pense, oui. Vu que j'ai vu marquer 4 sur 15. Allez, on y va directement. À la dure. Alors, le capitaine est juste là. D'accord, j'appuie sur carré au mauvais moment. C'est pas grave. J'ai pas fait exprès. En fait, je vous assure que j'ai pas fait exprès. Dans le précédent épisode, j'ai voulu tuer un Oslo avec... avec mes fléchettes, et du coup je l'ai gardé comme une dinde. Alors là ça va être carrément le bordel, je pense dans l'état. Oh oui, on l'a pris en gangbang lui, laisse tomber. Sandwich time. Ah, je comprends plus rien. Ok. Bon, regarde pas comme ça, je te mets coup de tête direct. Bon, le début commence un petit peu, début un peu mouvementé. J'espère que vous allez tous bien, c'est les vacances, profitez. En mode Assassin's Creed Black Flag. Là, je sais qu'il est sorti aussi Call of Duty, je pense que... Il y a beaucoup de gens qui doivent le souder. On est le combien là? Aujourd'hui actuellement on est le 2. Je pense que cette vidéo verra le jour, je pense. Ouais, peut-être un jour avant ou voir le jour de la sortie de Call of Duty, je sais pas encore. Donc je pense que pas mal de gens vont le souder, comme je vous ai dit. Réparer le jack d'eau. Ouais, on va juste le réparer. J'espère que tout se passe bien pour vous, les vacances et tout ça. Je sais qu'il y a eu Halloween ou ça aussi. Donc peut-être pas mal d'entre vous ont fêté Halloween. Du genre soit aller un petit peu troller les gens à demander des bonbons et aller exploser leur porte à coups d'œuf s'ils donnaient pas des bonbons. Bon, c'est ce que je faisais quand j'étais minot. Hein. Terreur des mers, ok, c'est bon ça. J'ai tellement chassé que j'ai des trophées quoi pour défoncer les gens. Franchement, je suis content d'avoir eu ce trophée. La vérité, Terreur des mers, c'est juste énorme. J'aurais dû appeler comme ça la série. Assassin's Creed 4, Black Flag, Terreur des mers, quoi. Énorme. Voilà, ou sinon, rien de particulier, les oiseaux, depuis l'avant-dernier, quoi, l'avant-dernier épisode. Si ce n'est que je suis vraiment à fond sur le jeu et sur ce fort. J'espère que ça va bien se passer. Parce que je vais pas vous mentir, la première fois, je crois qu'on l'avait fait, c'était très mal passé. Donc, on va voir si aujourd'hui. Si aujourd'hui tout se passe comme je le souhaite. Alors il y a une frégate sur moi, j'ai l'impression. J'attaque tout moi, j'attaque tout. Vous croyez que je rigole ou quoi? Ouais, j'essaye. Ok. D'accord, c'est des petits navires de merde. C'est des petits navires de merde qui essayent de me couler. Ah, les sous-estime pas. Tourne. Bien joué. Les mecs sont tout GG, tu sais. Allez, on est reparti les oiseaux. C'est pas encore fini.
C'est vrai que ça a l'air plus puissant du coup là pour le... Même pas vrai. Juste le détruire avant qu'il jette ses trucs. C'est bon. Ça se voit que j'ai pris grave de level depuis. Je vais lui dire juste pourquoi. Avant, comment dire, je vais vite prendre le fort. Il me mettait presque toute ma vie. Il me tuait presque toute ma vie. Et là, vous avez vu que je suis aux trois quarts de ma vie. Non, je veux pas me faire opérer. Je peux ou pas? Oui, je peux, c'est bon. Ah, je me suis même pas marré en fait, je crois. Il me tire sur le bateau? J'espère qu'il peut pas me défoncer mon bateau parce que je pète un plomb là. On va prendre les fléchettes furie pour changer. Alors, il y en a combien? Il y en a deux à détruire. À tuer, à détruire. Oulala, c'est le Y. Donc lui, il est là-bas. Si je jette une flèche furie, non? On rigole un petit peu là. Alors, tu veux pas monter? Très bien, on passe par là. Tu veux pas monter non plus? Si. Allez hop. Moins un. Et le deuxième est ici. Et à chaque fois il me fait délirer le mec, il te plat comme ça. Il croit que c'est du football américain lui. Alors je peux pas atteindre la porte, ok, tant que j'aurai pas tué mes deux amis. Simplement. Toc toc toc. Voilà, maintenant le fait que j'ai pris le fort, ça va enlever les zones ennemies. En fait, ça fait comme Far Cry, hein, tout simplement. Pour toutes les personnes qui connaissent Far Cry, en fait, il y avait un système de genre de zone interdite. Et dès qu'on prenait le camp, la zone interdite s'enlevait. Et là, ça fait exactement pareil. Du coup, maintenant, le fort va attaquer tous les ennemis. Et du coup, la zone est à moi, tout simplement. Tout simplement. Du coup, vu qu'on est là, ben, on va se faire celui-là. Hein. Je pense que c'est le mieux. Et après, les trois dernières zones qui sont difficiles, on les fera tranquillement prochainement. Ouais, je pense aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Un événement. Alors, oui, ça, c'est des événements. Je sais pas si on était déjà tombé dessus. Donc, vous avez découvert cet événement. Et dans 9 minutes, cet événement va s'arrêter. Pareil pour ça. Pour la découverte du canot royal. Du convoi royal. Donc, c'est des événements qui pop aléatoirement de temps en temps, comme ça. Je sais pas si je vais me le faire. On se le fait ou on se le fait pas? On va se le faire. Allez, vu qu'on est à côté, on va se le faire vite fait en 2-2, vu que c'est un convoi royal et que ça peut m'apporter beaucoup d'argent. Je vais pas négliger ça. Encore une fois, pour ceux qui connaissent pas la série, qui débarqueraient sur cet épisode, je suis pas une personne qui aime bien voguer, qui aime bien se téléporter. Je trouve que ça dénature tout le jeu. Mais là, pour le coup, j'ai pas trop le choix. Alors, il est où? Alors, attendez, faut que j'y trouve déjà la frégate. Non, il est pas là du tout. Il est là. On va essayer d'y aller au taquet. Alors j'espère que c'est pas du level 30. Level 29. Il y a combien? 10 000. Aïe, ça va piquer. Ça va piquer, ça va piquer. Je suis combien moi? J'ai les 3 barres en plus. Arrêtez de chanter les oiseaux. Ça va partir en vrille là. C'est pas le moment. Allez, c'est parti. Alors j'espère que je vais pas faire le... le sgeg pour être vulgaire. Et vite avant qu'il se tourne.
Ok, chasseur en vue, chasseur en vue, je répète, chasseur en vue. Le chasseur est où? C'est lui? Non, c'est une frégate. Allez, c'est parti, on aborde les oiseaux, on aborde, on aborde. Et tu es capitaine, vite, 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 vite. Je pense qu'il y a moyen, il y a moyen que je le tue comme ça là. Allez! Arrête de faire le fanfaron. Oh, dans la tête! Ah oh, putain! C'est grave mal fait ça, parce qu'en fait on n'est jamais à la hauteur des... Oh, j'appuie sur rond, arrête. Là t'abuses. Quand j'appuie pas, je le reconnais, mais quand j'appuie... Allez toi, ciao. J'adore ce musique, c'est juste impressionnant, elle est épique quoi. Allez, le 15e. Trop, trop bien. Là, on est bien. Là, on est bien. On va pouvoir s'acheter un petit peu des trucs, franchement je suis trop content, la vérité ça commence bien. La 17ème épisode qui commence super bien, regardez en bas il y a quoi? Il y a du 33 000. Du 33 000, c'est la première fois que je fais 33 000 comme ça. Donc depuis que je peux attaquer les frégates, je trouve que c'est trop énorme. L'argent ça va de plus en plus vite. Bon tant mieux parce que ça part aussi vite, c'est comme dans la vraie vie en fait. À peine t'as l'argent, t'as déjà plus rien. Alors, pour l'occasion, je vais être obligé de retourner là-bas, comme je vous ai dit les oiseaux. Désolé. Pour s'attaquer au fort. Et puis bah, après, on va s'attaquer à la mission principale. Excusez-moi, je me gratte un petit peu la barbe. Je me suis mis pour l'occasion en mode barbe noire. Non, je rigole. C'est vrai qu'en ce moment, je me rase plus trop là et j'ai la grosse barbe de taliban. Ok, donc ici pour le coup, il manquait un contrat d'assassin. Alors où c'est qu'il est le mec pour enlever les... Il y en a pas. Un coffre social. C'est quoi ce coffre social? Waouh, avec 1000 dedans. Incroyable mon ami. Alors attendez, il y a des trucs là. Je vais profiter pour acheter, non? Loca, loca, loca. En commerce, toujours, toujours. Vendre. La cargaison, il y a quoi? Du sucre, j'ai encore 2500. Oh, 10 000 de rhum. Oh là là, 43 000. Deux épisodes précédents, je disais quoi? Je disais franchement... je serais bien quand j'aurai 50 000. Et là j'ai presque les 50 000. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça s'est passé super vite hein. Franchement il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai pas bien compris là. Bon pour le coup je peux pas améliorer. Vu que j'ai pas 500, j'en ai combien? 388. Il va falloir que j'attaque plus de navires. C'est pas sérieux tout ça. Donc les boules enchaînées, je pense qu'on va pouvoir les prendre. Comme ça j'arrive à fond. Le mortier aussi. Est-ce que je peux augmenter encore le mortier? Non, parce que je n'ai plus assez de choses. Alors, boule explosif. Allez, fais-toi plaisir.
Baril explosif en soi, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Pour le coup, 5. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. On va essayer le premier. Ça peut en donner 5 de plus. On va pas non plus. Entreposage pour mortier, oui. Ok, 30 000. De baril explosif. Je suis pas trop fan. Ça c'est à fond, ça c'est à fond. La chaloupe. Ça c'est contre les animaux pour la pêche, donc c'est super important. Là je suis à fond, je suis à fond. Entreposage d'harponnage, de harpon pardon. On va le prendre aussi. Je pense que pour le moment, c'est plutôt pas mal. Surtout au niveau des canons et tout, c'est grave intéressant. Est-ce qu'on se tape un kiff, on se prend une apparence ou pas? Bah pour le moment, je pense qu'il vaut mieux qu'on garde nos sous pour des plus grosses apparences. Pour des trucs comme ça là. Pff, celui-là. Énorme. Donc je pense que pour le moment on va pas trop acheter de trucs. Même si on va voir pour les trucs qui nous est présenté. Ah, pour le moment il n'y a rien, il y a juste ça. Tête de bélier et Ah le phénix ça peut être pas mal, ça peut être rigolo le phénix. Ok. On s'est bien fait plaisir là. D'accord. On s'est bien fait plaisir, franchement. Et les gars, je suis à 30% du jeu, j'ai déjà amélioré pas mal le navire. J'ai vu la petite statuette là du phénix, grave stylé. Ah, j'ai le sourire, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors attends, non, c'est pas là que je veux aller, c'est juste en dessous en fait. Par la même occasion, je pense qu'on va prendre le contrat. Vous voyez que je vous avais dit quoi? On va aller prendre le fort et tout, et entre temps, j'ai fait 10 millions de choses. Alors, c'était les pistolets qu'on avait dit. De toute façon, si je veux, je peux prendre tous les pistolets. Plus 2, plus 4 en humiliation, d'accord, et à portée, ça reste 3 par contre. Et bon, au moins, comme ça, je ne les changerai plus. Voilà. Et portée, ça reste 3. Sauf celui-ci, mais bon, ça descend le. D'accord. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, munitions. Je suis full. Full. Quoi, full? Ça, en soi, on va les récupérer sur les cadavres. Donc, je pense pas que ça serve à grand-chose. Et en termes d'épée. Alors, on peut prendre la meilleure. 5. Alors, c'était quoi? 5 à 3. J'ai vu avec 5. C'est les dégâts, d'accord. Plus 5 dégâts, alors vitesse, combo et plus 5 dégâts. Allez, soyons fous, on l'achète. Comme ça, j'aurai plus à acheter tout ça. Je me préoccupe plus après par la suite des épées. Je vous le dis direct. Tenue. On peut acheter des tenues. Alors, tenue cape brune, cramoisie, tenue de corsaire. Wow! Oh, elle est pas mal ça là. Cape de pirate. Oh! Oh, je vais flamber pour les tenues. Ah oui, quand j'ai de l'argent, je vais me remettre un petit peu dans les tenues là. Cape brune, elle est pas mal, hein? Il y a la cramoisie aussi, je pense que c'est par rapport à l'équipement et tout du. Et j'avais même pas vu œuvre d'art. On peut acheter des œuvres d'art. D'accord, des divinités mayas et tout, vendre des cargaisons, vendre produits et acheter. En soi, non, je pense qu'on est bien. Muy bien, muchas gracias.
J'ai acheté trop de trucs, franchement, je suis trop content, vous savez Besoin de même fonds dans pas. le décor, capitaine? Ouais, c'est toi que je cherchais en plus. Tu veux qu'on te laisse tranquille, mon ami? Oui, laisse-moi tranquille. Franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Là, j'ai récupéré ce qu'il fallait. Et j'allais finir cette mission assassin. Ce contrat, pardon. Grosse vidéo. Franchement, je suis vraiment content. Ça fait 15 fois que je le dis, mais ça fait plaisir. Des contrats à 1000, ça fait rigoler quand tu tues des bateaux et que t'as 10 000 d'un coup, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, il se trouve où? En plein milieu de l'océan, je parie. Ah non, il se trouve juste ici. Un dernier pour la route. Ah, putain, ça me plaît en plus. S'il est juste là. Alors. Vous savez quoi? Oh le bâtard! Allez, ciao! Ah merde, c'est pas mon bateau! Lol! Je croyais que c'était mon bateau, mais c'est pas mes bateaux! Mais il est où le mien? Je croyais que c'était mon bateau ou quoi, normal. Il y a un mec qui nage là-bas. Vous le voyez ou pas? Qu'est-ce qu'il fait ce fatigué? Oh putain. Qu'il est con, il arrive pas à remonter. Oh putain, si, il va remonter juste pour me tuer quoi. Même pas. Allez hop, ciao. Alors mon bateau il est là-bas, par contre je comprends pas, je le vois pas. Quoi, je l'ai pas vu sur le coup. Bon, moi j'ai fini cette île. J'aurais pu en revenir ici. Le tavernier. Est-ce que j'ai déjà parlé au tavernier? D'accord, c'est même pas un tavernier en fait. C'était le mec qui faisait les épées. Quel con. Quel gros con. Ok, en fait il était juste là. En fait, je suis parti au milieu alors qu'il était à droite. C'est pas grave. Alors maintenant j'ai amélioré les épées, les flingues, j'ai amélioré le bateau, j'ai tout amélioré. Par contre, j'ai eu les sous, oui j'ai eu les sous direct je crois. On va se rendre directement au fort. J'espère que je vais en faire qu'une bouchée. J'espère, hein, j'espère, je sais pas du tout. C'est quoi ça? Tu peux pas les attaquer ceux-là là même? Frégate level 29. Ah du coup que j'ai amélioré les frégates level 29, je peux me les faire easy quoi. J'ai envie de l'attaquer. Attends, et celui-là c'est quoi ça? Pourquoi ils me disent pas ce que c'est? C'est un canonnier level 6, c'est pas possible. Ah voilà. T'imagines, je l'attaque et c'est pas bon. Bon, je peux me faire les level 30 maintenant. Ah, par contre, si je me fais la frégate. Je vais avoir. Si je me fais le fort, je vais avoir la frégate sur le cul, quoi. Ça va être obligé, ça. Vous allez. C'est obligé, je vais l'avoir sur le cul. Donc, tant qu'à faire, je pense que je vais la détruire maintenant. À moins que voilà, je me suis fait spot, c'est pas la peine. Oh putain, je sais pas si je vais survivre. Hein. Je vous le dis direct, je sais pas si je vais survivre. Oh putain, en plus la mer est pas avec moi là. Pour le coup, ça va être vraiment chaud. Bah, y'a un tsunami et tout, mon gars. À côté de la cible.
Mais non, comment tu veux que je fasse? Oh les gars Oh là là, la tourne elle vient pile poil sur moi. Je suis dans la merde. Oh là là, oh là là. On y est prêt. C'est là qu'il faut tirer. Ah mais le tournoi elle est toi. Elle me vient droit dessus, elle fait tout le tour quoi pour moi. Putain, c'est pas sérieux. Putain, l'épisode il commençait bien. Je suis mort. J'ai fait, je sais pas quoi là, j'ai pas compris. Je sais. Ah, c'est bon, il va me tuer. Oh putain, tout ça à cause de la tornade quoi. Dans un sale état, mais je suis pas mort, les oiseaux. Ah, je suis trop content. La vérité, vous avez vu direct, j'étais défaitiste. Direct, c'est bon, j'en ai marre, c'est bon. Ah, mais la vérité, si j'avais fait tout ça pour ça, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait la frégate, il y avait le truc. Bon, encore la frégate, elle s'est écartée. Ça faisait chier, quoi. Ah, je vais tester mes nouveaux flingues et ma nouvelle épée. Mes nouvelles épées. Je pense pas qu'on va passer par le feu. Ça serait pas très très intelligent. Ok, ça c'est cadeau, c'est pour toi bébé. Ça aussi c'est cadeau, c'est pour toi. Alors, il y en a un à 35 mètres. Soit je vais pas pouvoir y aller de là. Ah, il y en a trois en fait. Je peux pas le tuer de là. De là non plus, je peux pas le tuer. J'essaie de le viser. Hein, moi, personne. Laisse-moi tranquille. Tire pas. Alors en soi là je suis obligé de passer par là. Hey vous. Attention. Plaquage. Pouah énorme. On recharge. Énorme. Ça a quand même de l'importance hein. Laisse mes potes tranquilles, ok. Il est où ce foutu coffre? Il est là. Moi je fais ma life tranquille. Tout le monde est en train de se tuer. Tu m'as pas vu arriver. Alors, c'est où qu'il faut aller? C'est en haut? D'accord, c'est par là.
Donc du coup, comme tous les capitaines sont morts. Pardon, mais c'était trop bon. J'aime bien le skin des nouvelles épées que j'ai là. Elles sont graves, même les nouveaux guns sont stylés. Qui c'est? C'est Moïse. C'est qui Moïse? C'est bon, on a pris le fort. On a pris le fort. Vous vous en foutez? Eh ben moi non. Donc maintenant il restera plus que les difficiles. Je sais pas quel niveau ils sont. Charlotte. Je sais pas le level qu'ils ont. Mais en tout cas, ça a l'air grave. Ah, il y a encore une carte. Il y a une carte ici, une carte là. Il y a des cartes à peu près sur toutes les îles. Mais bon, je pense que là-bas, ça sera vers la fin du jeu. Quoi, vers la fin du jeu. Je pense qu'on n'ira pas là tout de suite. Par contre, le navire légendaire, gain d'argent élevé, mais je sais pas du tout. Comment dire? Je sais pas du tout quel level il a. Donc par curiosité, on va se TP. Je fais que de dire je me TP, j'en ai marre et tout. J'ai envie de me TP juste pour voir en fait le level qu'il a et repartir. Je sais pas quoi faire. Sérieusement, je sais pas quoi faire. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura le temps d'y aller. Donc on va s'amener directement à Charlottetown. Tranquille. J'aimerais bien me téléporter, s'il vous plaît. Alors, je suis 5634 parmi les pirates les plus prospères. C'est pas mal quand même, 5000. Sur je sais pas combien de millions qui jouent. Je vais me casser la gueule. Alors, carte au trésor. Vous détenez une carte au trésor qui semble être liée à ce lieu. Équipez-vous de l'outil carte au trésor pour trouver la carte. Pour trouver le trésor, pardon. Non, j'ai pas envie. Parce que je le ferai lors d'une vidéo, donc si t'es pas content, c'est pareil, ok. C'est quoi ce bateau là qui est choué? Je l'ai jamais vu ce truc. Lol, j'ai battu. J'ai tué une bête. Merci. Kenway, c'est ça? Je suis avec toi. J'ai tué une bête sans faire exprès? Ah, une iguane. Je suis un gros crevard, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on est parti. Là, je pense qu'avec toutes les améliorations que j'ai fait et tout, je peux être bien pendant un petit moment. Alors, je sais que ça va me servir, les iguanes, dans pas longtemps. Donc, je préfère les prendre. Je vous le dis direct. Je sens qu'il va y avoir une amélioration. Oh là là, ça se tire dessus. Encore des Anglais ou des Espagnols qui se fritent. Allez les oiseaux, on y va. J'adore quand ils font ça. Donc l'amélioration du jack d'eau est à plus de armement et protection à 60%, entreposage 72% et harponnage à 88%. Donc en soi c'est pas mal. Et pour notre ami Edward, oh là là, on est à 21% et 28% de pistolet, donc c'est pas trop la joie. Je peux vie et tuer bourse. Par contre bourse, je suis pas trop bien. Mais pour le moment, il me faudrait requin marteau. Je l'ai pas. Poya, Usia, pardon. J'ai rien en fait. Je détiens rien du tout. Jaguar noir, j'en ai qu'un. D'accord, c'est pour le même truc. Peau d'oslo et peau de jaguar. Ok. Donc pour le moment, j'ai rien de tout ça. Le capitaine tient la barre. Ouais, on y va les oiseaux. Oh là là, une frégate avec 10 000? C'est un convoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Il se passe un truc là. C'est un convoi, je le savais.
Quoi? Comment ça se fait? J'ai pas amélioré mon bateau? Oh! S'il me touche, je suis mort. Faut vite que je l'aborde. Oh putain, comme j'ai de la chance. Comme j'ai trop de la chance. Allez, 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 allez. Et je tire sur les mecs, je tire pas sur le... Je sais pas si vous captez depuis tout à l'heure, mais je tire carrément sur les mecs. Les chips, ils s'envolent, quoi. Ah, j'ai même plus besoin de 10 balles, quoi. Le bordel, ça y est, c'est... D'accord, tu fais le caprice. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Alors, est-ce qu'il en a un, lui, dans, sur son bateau? Il en a un. Non, descend, descend. Mais, non. Pourquoi se casser la tête quand on peut monter directement à destination? Oh, ça y est, ça commence, même les combats commencent à devenir grave là. Ça tire dans tous les sens. Ah oui, je répare direct, je répare direct. Bon, j'ai pris 10 000. C'est le plus important. Après, j'en suis où? J'ai pris 2 barres. Bon, ça va. J'ai pris 2 barres, ça va, c'est pas trop mal. Quand j'ai pris une barre, en vrai. Je sais que je me trompe de 105, vous inquiétez pas, c'était juste. Je voulais récupérer le marin. Tiens, les étoiles et tout, magnifique. Ils sont en train de se défoncer, mais mêlez pas votre combat. Ouais, Bonnet! T'as enfin ton propre pavillon? Oui! Oui, Barbe Noire m'a donné congé, hélas! Je vais devoir me débrouiller tout seul! Eh ben, c'est formidable! Oui, c'est pour le mieux, je pense! J'aurai sans doute des prouesses à raconter lorsque nous nous reverrons! Edward? Le plus grand trésor que j'ai trouvé sur ces mers est votre indéfectible amitié! Bien davantage que l'or, l'argent et le rhum, je chéris le courage que vous m'avez inspiré cette année! Merci, mon ami! Et que la fortune ne cesse jamais de vous sourire! Très belle phrase qui vient de dire. J'ai trouvé ça très 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 beau. J'ai failli chialer et tout, hein. De vos femmes, de vos familles et de vos compatriotes. Alors comment expliquer le désintérêt complet des autorités pour vos vies? Des otages contre des remèdes! C'était ma seule demande! Et j'attends. De ce foutu silence de mort.
Je crois comprendre. Vous devez être les parias de Charlestown, et je ferai encore mieux de me servir de vos viscères comme appât et de faire de la colle de vos sangs. Par le Christ! C'est bien mon problème. Ou je vous tue, ou je vous plie à mon service. Une décision que je ne suis pas pressé de prendre, mais je n'aurai aucun remords. Oh, Edward, à quoi est-ce que tu joues, bon sang? Toute la ville peut voir cette farce. C'est l'intention. Hors de portée, mais bien visible. Alors, les remèdes sont où? On a envoyé un groupe à terre négocier avec le gouverneur. Ça fait une semaine. Depuis, pas un mot. Je m'en charge. Donne-moi une journée. Il y a du mouvement là-bas. Ce sont des soldats? Ouais, ils ont l'air bien pressés. On ferait mieux de les suivre. Au cas où, on préparerait une surprise. Waouh, Barbe Noire peut s'avérer très 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 méchant, hein, très... Il avait pas l'air d'être content là, la vérité. Il faisait limite flipper. Je trouvais ça grave stylé. Barbe Noire est déjà là depuis 8 jours. Je suis prêt à parier que quelqu'un a préparé les remèdes. Au cas où. Ah, il traîne les pieds. Il cherche un moyen pour pas payer. Oui. Trouvons l'endroit où il les garde. Et on aura notre chance. Attention, capitaine. On dérive vers une tour de guerre. D'accord. Donc à mon avis, il faut pas que je me fasse capter, quoi. Oh là là, je fais trop vite. Je vais déferler la grand-voile. Plus de toile, déferle le tout. Voilà une autre tour de guet. Est-ce que je suis dans le champ ou pas, là? On dirait bien, hein. Garguez jusqu'à la grand-voile. Comment je fais pour passer? Comment je fais pour passer? Donne un peu de toile. Fais donner les bonnettes. Diminue, Harris déligné. Et voilà Mima, capitaine. Faut pas prendre de vitesse. Fais donner les bonnettes. Attention aux rives. On pourra pas passer sans se faire repérer. Mais je vois pas d'autre chemin. Il y a toujours un autre chemin. Arrêtez tout! J'aime bien, pour le coup j'aime bien cette mission, ça mélange infiltration et un petit peu les batailles navales et tout ça quoi, bataille navale, vous m'avez compris. Voilà, ils sont trois. Le problème c'est que j'en vois qu'un. Est-ce qu'il y a un guet là-haut? Un guetteur, hein, c'est pour ça que j'ai... D'accord. Ah. Vite, 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 vite. Bouge-toi. Animation de merde. Oh non! Il a pas neutralisé. Il a pas appuyé.
défaire les lacs en voile. Plus de toile, défaire le tout. Je les vois. Là-bas. Espérons que le fleuve reste aussi large. Je pense pas. Oh, comment je vais faire pour passer là? Si on s'échoue, on sera fait comme des rats. Mais je peux pas. Mais par où je passe? Mais je peux pas passer là. Et là-bas ils me disent que j'essaie. Alors attendez 2 secondes. Là-bas ils me disent que regardez sur la carte, ils me disent c'est un cul-de-sac. Alors peut-être je peux y aller. Donne un peu de toile. En fait c'est même sûr que c'est par là, mais. Faut pas qu'ils voient qu'on les suit. Ah t'inquiète pas pour ça hein. Maintiens le cap, capitaine. Ma foi, je sais pas, il montrait que c'était un cul-de-sac. En fait. Il s'éloigne, capitaine. Je vais devoir continuer seul. Je reviendrai. Avec Iromed. Aye, sir. C'est chelou un petit peu le délire là. Hein. Quoi là? Putain, je suis perdu là. Ah, peut-être par là, par là. Oh, le croco! Que du feu sort de sa tête comme de volcan. Si ce n'est pas le diable en personne, il a sûrement fait un pacte avec lui. Estime-toi heureux que son navire soit toujours à l'ancre et qu'il n'ait pas dévasté Charleston. Saleté pirate, il faudrait leur donner une bonne leçon. Ah, on finira par les avoir. Jusqu'au dernier. Qui va là? Deux caïmans qui cherchent de quoi dîner. Raider, vieille canaille. C'est chaud ce soir, non? C'est pas le moment de parler du temps qu'il fait. Je suis pressé. Doivent être de vrais cercueils flottants. Non, oh mon Dieu.
finirai jamais. Des excuses, sir. Il y a eu un accident. Avec le première classe Simon. Un crocodile, sir. Je n'ai que faire de vos accidents. Quelles sont les nouvelles du port, soldat? J'écoute. Rien de neuf, sir. Ils sont toujours là. Mais à ce qu'on a pu voir... Rien de neuf, sir. Ils sont toujours là. Mais à ce qu'on a pu voir, eh bien, ils n'ont encore touché à aucun prisonnier. Le moment est peut-être venu de... Peut-être venu de se rendre? On m'a confié la charge de la ville et je n'ai pas l'intention de céder aux exigences d'un pirate, quelle que soit sa réputation. Oui, sir. Tant que je détiendrai les clés du magasin, personne ne touchera à ces remèdes. Que la peste et la calamité les emportent. Pauvre abruti. Qui es-tu? Les pirates! Je vois leur navire! Les pirates! Repliez-vous! Au manoir! Foudroyez ces démons! Ah! Barbe Noire t'a fait la meilleure offre qu'un homme ait jamais reçue d'un pirate. Tu peux maudire ses méthodes, mais il ne voulait que des remèdes. Et il va les avoir. T'aurais mieux fait l'accepter, mon gars. Il est de retour, Capitaine! Alors, Edward? Deux caisses. Quoi préparer toutes les doses dont t'auras besoin. Ah, très bien pensé, petit. Par les temps qui courent, c'est rare. Vous entendez, Monsieur Rags? Mon jeune ami qui revient chargé de présents vient de sauver votre cou décharné. N'a-t-il pas droit à votre gratitude? On devrait quitter ces eaux, Satch. Le gouverneur va faire venir d'autres soldats. Non, vas-y, toi. J'ai une affaire à régler au Nord. Tu t'en vas, c'est ça, hein? Tu nous abandonnes? Et Nassau? Écoute, petit. Je suis en train de boucler ma quatrième décennie. Et si je ne trouve pas le moyen de faire de la cinquième un voyage serein et tranquille, je préfère sombrer devant les portes de l'enfer que de continuer à me faire passer. Pour un capitaine. Allons, petit, on se reverra. Dans ce monde. Ou chez Neptune. Franchement, très belle. Des poussins crocodiles, ouais, normal, tu sais. Très belle. Séquence là qu'on vient de faire. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Elle était vraiment pas mal du tout. On en a appris un peu plus sur Barbe Noire. Son côté un petit peu fou furieux à la fois. Mais à la fin, vous avez vu que il c'est quand même un bon mec et tout. Franchement, j'ai bien kiffé. La petite scène avec le crocodile, genre au ralenti, j'ai aussi grave kiffé. La petite poursuite et tout ça. Je trouvais vraiment très intéressant. Et c'était la première fois qu'on voyait toutes ces animations un petit peu que ça pète partout. Que ça pète partout, on l'a déjà vu dans les précédents, mais le coup du crocodile au ralenti et tout ça, je trouvais ça très stylé. On va continuer un petit peu. Et vu qu'on est déjà à une heure de vidéo, je pense qu'on va s'arrêter ici, les oiseaux. Je vais voir où ça va nous mener. S'il y a une petite cinématique d'abord.
Et s'il n'y en a pas, ben je pense qu'on s'arrêtera ici parce que le temps passe énormément vite sur ce jeu, encore une fois. J'enchaîne les épisodes et franchement, je pète les plombs rien qu'à l'idée de me dire que. Remède miracle. Me dire que franchement, chaque épisode, j'ai l'impression que ça se passe au bout de un quart d'heure, 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe trop vite. Ça passe vraiment, vraiment trop vite. Hallucinant, quoi. T'as une minute? Je dois aller en haut. Je crois qu'Olivier veut qu'on prépare une bande-annonce à partir des images que tu as enregistrées ces dernières semaines. Prends ton temps, je te retrouve à l'ascenseur. Bon ben voilà, comme prévu, on sort de l'Animus pour une fois. Ah, j'ai pas mal de soldats qui sont apparus. Ils auraient pu mettre Jimmy en forme quand même, hein. Bref. Écoutez, nous on s'arrête ici, sur cette sortie de l'Animus. J'en parlais précédemment en plus, qu'il fallait que je sorte un petit peu et tout. Pour faire un petit tour dans Abstergo, mais j'ai pas eu le temps et c'est vrai que en y repensant et en voyant un petit peu les commentaires, c'est vrai qu'une personne a eu un bon commentaire. J'espère que tu te reconnaîtras. Dédicace à toi, excuse-moi pour le pseudo, je m'en souviens plus. J'ai l'impression que les personnes à qui j'ai livré les informations sont des amis de Desmond et qu'ils sont peut-être en train de s'infiltrer dans Abstergo pour savoir ce qui se passe ou etc. Donc de toute façon on va le découvrir très prochainement. Mais pour cet épisode 17 on s'arrête ici. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. C'était Parano. Allez, peace.